Hallelujah. Salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. Hallelujah. Salvation and glory. Vous savez, plus je lis la Bible, je réalise combien est grand la vie éternelle que Dieu nous offre. C'est impressionnant. Il y a une parole de Paul qui me revient à cœur qui dit: si vous espérez dans le Seigneur que sur cette vie-ci, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. C'est plus grand que ça. Jésus est ressuscité. Et il dit, les morts en lui ressusciteront. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez découvrir, mais quand on parle de résurrection, le corps ressuscite avec. C'est un moment quand il ressuscite, il ressuscite avec un corps que moi j'appelle le corps élastique. On peut le toucher. Il a des os, mais il traverse les murs. Nous serons et nous le verrons. Déjà, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons tel qu'il est. Amen, amen. Prenez le temps de cette vie sur terre et investissez pour la vie éternelle. Investissez pour la vie. Soyez sérieux avec la parole de Dieu. Si un milliardaire arrive ici, il voit mon frère, je pense à un certain Donald Trump, quelqu'un qui fait beaucoup d'affaires et tout ça. Il dit à mon frère, il dit, je t'emmène avec moi dans mes affaires. Je pense que dans son cœur, il va se dire, ça y est, je m'assois sur la table des grands. Parce que cet homme qui lui parle a une expérience. Et cette expérience parle pour lui. Et la Bible dit, la renommée de Dieu s'est accrue. Parce qu'il accomplit ses promesses. Amen. Vous pouvez lui faire confiance. Alléluia. Vous pouvez lui faire confiance. Amen. Amen. Que Dieu dise. Sous-titrage Société Radio-Canada.